petit problème dans un palace. Pas de panique, voici Lady Palace, Lady Palace. Hello les amis! L'une des questions que vous vous posez le plus fréquemment quand vous séjournez dans un palace concerne l'irritant problème du chewing-gum. Vous mâchouillez souvent un vieux bout de chewing-gum, sans goût, sans fraîcheur, et vous voulez vous en débarrasser. Seulement, où faut-il le coller? Sous le rebord de la table, sous votre chaise, sous le bras du fauteuil, en douce? Non! On ne fait pas les choses en douce dans un palace. On se respecte suffisamment pour agir au grand jour, sans se cacher, avec panache. Pour donc vous débarrasser de votre répugnant chewing-gum, je vous conseille la méthode officielle. Elle enchantera les gens qui vous entourent, car la clientèle palace raffole de tout ce qui est cérémonie officielle. Et qu'y a-t-il de plus officiel qu'une inauguration? Alors, sans vous cacher, en vous tenant bien droit, le front haut, vous sortez votre infâme bout de gomme de votre bouche et vous le collez sur un dossier de chaise, une colonne, ou un palmier, bien en vue dans le hall. Voilà. Puis, vous pincez le chewing-gum et vous l'étirez, voilà, jusqu'à une autre colonne où vous le fixez, bien entendu. Si l'opération est bien menée, vous obtenez un joli fil régulier reliant le palmier à la colonne. Regardez les mines réjouies des gens qui vous entourent. Ils savent qu'il y a de l'inauguration dans l'air. Il ne vous reste plus qu'à prendre des ciseaux. Merci Alain. À prononcer une courte allocution. Et le tour est joué. Vous vous êtes débarrassé de votre vieux chewing-gum avec la sensation d'avoir inauguré le pont de Tancarville, sans avoir les problèmes du retour à Paris avec les embouteillages sur l'autoroute de l'Ouest. La semaine prochaine, je vous parlerai du comportement à adopter lorsque l'on a la goutte au nez dans un salon. Bonsoir.